que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel. Tel est le signe surnaturel que le prophète Isaïe donne au roi Akaz, qui ne croit que dans les armes. Avec le psalmiste, remettons-nous au Seigneur. La jeune fille de Nazareth s'est soumise à la volonté de Dieu. Parallèle, Christ est entré dans le monde pour faire la volonté du Père. Écoutons successivement le livre d'Isaïe au chapitre 7 du verset 10 à 14, puis les versets 8 et 10, le psaume 39, la lettre aux Hébreux au chapitre 10 du verset 4 au verset 10. Je viens de la louange.